Ah, qu'est-ce que je disais Ah oui, vous discutiez. Et comment ça se passe? On discute mieux à poil? C'est agréable. Bah, excuse-moi, hein. Mais avant, avec ta garde-robe de Carmélite, t'es pas tout au top, hein. Tandis que là, j'ai envie de savoir comment t'es gagné en dessous. Tu savais? Avec mon pote Momo, on squattait chez la sœur de sa cousine. Ne me dis pas, ton pote Momo est là aussi. Non, oui, il est chez une fille qui l'a envoyé hier soir. T'étais au courant? Je te jure que non. Garde. Alors là, faut reconnaître qu'elle m'a entourée celle-là avec son histoire de tantiglou, cette petite morveuse. Quel tantiglou? Je me comprends. C'est même incroyable qu'on ne dise jamais rien dans ce ministère. Merde! Je suis quand même le chef, non? Non. Oh, mais il va pas nous piquer sa crise d'autorité maintenant, grincheux! Ah non! Ah, dites ton chef avant, je sais pas, hein? On s'est écrit cette femme. Là-dessus, votre mère est arrivée. Et Louis, qui n'assumait pas, n'a rien trouvé de mieux que de vous faire passer pour son amant. Voilà. Et vous pensez que je vais avaler ça? Alors, mais non, ça va quand même te chambouler un peu, je le bourre. Oui, ça me surprend un peu de la part de Louis. Oui, parce que le petit, on s'en cogne, pas vrai? Pas vrai? Oui, oui, on s'en cogne. Vous avez passé une bonne nuit? Excellente, merci. Du moins, riche en surprise. Je me suis certainement moins amusée que d'autres, mais enfin... Pourquoi vous dites ça? Vous avez enlevé vos talons aiguilles? Surtout à 40 ans. Quoi? T'inquiète, je suis au jus. Tu lui as dit? Et pourquoi toi, tu ne m'as rien dit? On l'a fait ensemble. Mais vous êtes tous abrutis aujourd'hui! Pourquoi tu ne m'as pas dit que Sarah couchait avec Louis? C'est trop dégueulasse! Il s'est laissé monter la tête, je ne sais pas. Mais ça ne peut pas être une vraie histoire! C'est voué à l'échec! Oh, bah, je suis un peu à la bourre avec mes révisions, mais. Oui, mais ça, on s'en fout, il y a des choses plus graves dans la vie. Hein? Ça va? Ouais, plutôt bien, merci. Parce que alors, moi. Ma. T'as quoi? Ma main! Ah, avec mon plus paupière! J'ai dormi 1h12, on dirait un boxeur! Oh! C'est de la noc! Oh, tu charries! Bah oui, évidemment, Cécile, je l'ai acheté pour l'occasion. Et moi, j'ai aujourd'hui. Ah non!